Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc, je vous laisserai regarder la barre d'infos. Vous y retrouverez le minuteur. Pour la première partie, ça va concerner les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Et puis, la deuxième partie concernera, les célibataires. Hop là. Alors, je pose ça là. N'hésitez pas à également à consulter comme d'habitude votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on découvre, on commence par les couples, c'est parti. C'est parti, on détaille, on regarde tout ça ensemble. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation en ce moment. Ici, vous avez les atouts qui vous accompagnent, vous. Ici, vous avez les atouts de votre autre. Ici, vous avez vos blocages, vos peurs. Ici, vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez les conseils. Hop, je vais y arriver. Les conseils de vos anges, de vos guides, de l'univers. Ici, les conseils pour votre autre. Et puis, pour terminer, la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Waouh, c'est beau. C'est super beau. C'est super beau. On a une, deux, trois arcanes majeures, dont les deux arcanes majeures ici principales quand même. Ok, allez, c'est parti. On détaille tous ensemble. L'énergie de la relation aujourd'hui est au soleil. Alors déjà, énergie magnifique, une des plus jolies cartes du tarot. Le soleil qui est symbole de fidélité, d'abondance, d'amour, il vous annonce un grand bonheur ou un espèce de renouveau avec une situation qui devient plus claire, qui s'éclaire, avec une situation qui devient beaucoup plus lumineuse, du désir, du soutien de l'un et de l'autre, dans beaucoup de partage, de respect, d'harmonie. L'autre vous complète parfaitement, vous êtes dans des vibrations hyper intenses, socle solide, bonheur, véritable havre de paix. Voilà. Ça peut paraître un peu cliché dit comme ça, mais c'est le soleil, c'est cette énergie-là. Voilà, j'espère que vous la ressentez comme ça. Avec ça, dans vos atouts, à vous, vous avez la reine de coupe. On continue dans les émotions et dans l'amour. Il y a une belle ouverture chez vous, une belle ouverture d'amour, une énergie de partage, de sensibilité. Je dirais surtout une immense empathie avec cette reine. Vous donnez de l'amour à vous-même, mais aussi aux autres, aussi à votre partenaire. Cette reine, elle a beaucoup d'intuition, de compassion. C'est une reine qui ressent exactement ce que l'autre vit. Donc ça va beaucoup vous aider dans votre relation parce que vous ressentez votre autre. Vous ressentez ce que votre autre vit, ce que votre autre ressent. Et ça vous aide beaucoup, je pense, dans votre évolution de lien. Et je dirais que vous allez soulager à la fois vos souffrances émotionnelles aujourd'hui, mais aussi celles de votre autre, celles qui sont attirées par vous, puisque vous avez la capacité de comprendre les besoins des autres. Vous allez être à l'écoute, beaucoup à l'écoute de la personne que vous aimez, mais surtout de vous-même. Et ça, finalement, quand on est à l'écoute de soi, quand on s'aime soi, moi j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup plus ouvert à aimer les autres, finalement. Avec ça, dans les atouts pour votre autre, cette personne a le pendu dans ses atouts, dans ce qui l'accompagne, dans ce qui l'aide. C'est une carte qui porte le symbole effectivement de l'attente, une attente qui permet de mûrir des projets qui demandent réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point positif, les atouts, c'est que cette attente, elle va lui faire voir une situation sous un autre angle et il va complètement vivre l'expérience du fameux lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a une situation chez cette personne, alors ça peut être vous, ça peut être familial, amical, ça peut être professionnel, mais il y a une situation qui lui demande un lâcher prise. Et qui lui demande de voir les choses différemment pour pouvoir évoluer, pour pouvoir
faire que ce projet arrive à son terme de la meilleure des manières. Il y a un lâcher-prise sur sa vie, sur les événements extérieurs, sur tout ce que cette personne ne peut pas maîtriser. Donc ce lâcher-prise, il va lui permettre de pouvoir voir les choses autrement. Son regard va être neuf. Et je dirais que cette personne est en train de se préparer à un nouveau départ dans dans sa vie, dans votre relation, avec des nouveaux projets. Tout ça pour faire la place au renouveau finalement. Avec ça, dans vos blocages à vous, dans vos peurs, vous avez la 7 de Pentacle. Alors, vos blocages à vous dans la 7 de Pentacle, c'est pas tellement des blocages, c'est plutôt une idée, c'est plutôt cette impression de ne pas avancer et de faire du surplace. Je ne sais pas pourquoi vous ressentez ça. Moi, pour l'instant, je n'ai pas cette indication-là. Je pense peut-être qu'on saura par rapport à ces conseils-là. Je pense que ça appartient plutôt au passé. C'est comme si vous étiez déçu de ne pas récolter les fruits de votre évolution, de votre dur labeur. Moi, je vois ici des années de patience. Peut-être que ça fait des années que vous êtes très patient avec votre autre dans cette relation, peut-être dans votre vie en général. Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez des résultats et vous ne les voyez pas arriver. Donc, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être que vous êtes très heureux, oui, mais peut-être que vous manquez de projets peut-être à long terme, peut-être à court terme. Et ça vous pèse, cette impression de ne pas avancer, cette impression de ne pas évoluer, de ne pas savoir où vous allez et dans quel but. Il y a une espèce de frustration, l'impression de s'être investi sans finalement avoir de retour. Voilà, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais c'est là. Voilà. On va voir après avec les conseils. Votre autre, ces blocages, ces peurs, c'est la reine de Pentacle. Alors, les blocages de votre autre, c'est vraiment une énergie d'excès en tout genre. Alors, ça peut être de manière, j'allais dire, équilibrée, mais si c'est dans les blocages, je ne sais pas. Ou alors, ça peut être complètement explosé dans tous les sens. Vous voulez. Votre autre veut tellement être sur tous les fronts. Votre autre est tellement attaché à sa sécurité financière, à sa stabilité intérieure, à peut-être son travail, à peut-être ses finances, qu'il en devient excessif dans ses activités, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans son comportement, dans sa rigueur. Peut-être que c'est quelqu'un qui est cloué au boulot, qui pense qu'au boulot, ou qui pense qu'à l'aspect financier, qui, à l'inverse, parce que les deniers peuvent nous parler aussi de notre intériorité, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle, dans son propre intérêt, dans sa propre intériorité. Et finalement, c'est quelqu'un qui peut être dans l'incapacité à tenir tous ses engagements tellement tellement il n'est pas là et tellement il veut s'investir sur tous les projets à la fois. C'est complètement possible que ce soit le cas, mais ce soleil va venir peut-être adoucir tout ça, je pense, et éclaircir des certaines situations. Le pendu va le faire voir, va lui faire voir les choses de manière différente. Je pense que c'est pour ça que cette personne a le pendu, parce que finalement, la vie, l'univers va venir le calmer directement, calmer ses excès ici, et lui faire poser dans cette attitude d'attente. Avec ça, donc vos conseils à vous, c'est la 5 de coupe. Alors, le conseil, déjà, la 5 de coupe, oui, vous avez eu beaucoup de déceptions, vous avez eu beaucoup de tristesse, vous avez eu des pertes, peut-être que vous êtes séparés à un moment donné, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on voit la lenteur et qu'on voit cette patience ici, incroyable. Donc les conseils, ne restez pas dans cette tristesse-là, ne restez pas dans ce passé-là. On sent, oui, que vous avez été très déçu, qu'il y a eu des événements douloureux et vous pouvez avoir tendance à vous focaliser dessus au lieu de penser à l'avenir. Donc libérez-vous de ces blessures émotionnelles et regardez plutôt vers l'avenir. Et je comprends mieux la reine de coupe. La reine de coupe va venir guérir tout ça. La reine de coupe guérit ses blessures émotionnelles. Donc ça va être super chouette parce que les conseils finalement suivent les tout qui vont venir vous accompagner.
Et votre autre, le 2 de Pentacle dans ses conseils, bah, c'est un peu pareil que vous, sauf qu'on est dans autre chose. On lui conseille de venir canaliser finalement tout ça. Tout cet excès, toute cette énergie, on lui conseille de venir canaliser, on lui conseille de faire attention à son énergie, à ne pas trop s'épuiser, à vouloir être sur tous les fronts en même temps, puisque on lui dit quand même qu'il risque de ne pas tenir très longtemps. On lui dit qu'il ou elle n'est pas obligé de tout concilier, de ne pas obligé de tout faire en même temps, de ne pas être aussi dur avec soi-même, mais que cette personne devrait plutôt choisir ses priorités plutôt que de vouloir tout faire dans tous les sens finalement. Et donc, on termine avec la prochaine étape qui vous attend. Quelle étape vous attend? Vous avez cette magnifique étoile. Waouh! L'étoile avec le soleil ici, là, alors malgré toute cette attente, malgré tout, on a tous et toutes eu des problèmes en étant en couple. Je ne crois pas que le couple parfait existe, sinon en tout cas je ne le connais pas, mais vous êtes dans un moment serein, dans une belle harmonie. L'étoile nous parle d'un amour puissant, d'un amour sincère, avec une très très forte connexion, une forte énergie. C'est sûrement une relation ou des sentiments que vous espériez depuis longtemps. C'est la promesse aussi d'un amour éternel. Donc dans un futur proche, selon les étapes que vous avez traversées, vous avez envie de vous engager davantage l'un envers l'autre. Il peut y avoir également un projet d'enfant avec l'étoile et avec le soleil ici. Donc un projet d'enfant, soit de faire un enfant, soit de réunir vos enfants, soit voilà, un projet autour des enfants. Et si les projets et si les enfants ne sont plus d'actualité, il y a une naissance sur le point. Je dirais symbolique, la naissance de nouveaux projets, la naissance, la renaissance de cet amour. En tout cas, on voit deux personnes sereines face à un avenir amoureux assez positif, mais surtout beaucoup de paix dans votre lien et beaucoup de paix dans votre union. Voilà. Donc, la promesse d'un amour éternel. Alors bien évidemment, peut-être à prendre avec des pincettes, peut-être à prendre d'un ton symbolique, mais moi j'ai envie d'y croire à cet amour éternel, à cette étoile qui est là dans le ciel, qui brille et qui ne s'arrêtera jamais de briller. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous embrasse et je retrouve tout de suite les célibataires. C'est parti, on découvre tout de suite les cartes ensemble. Alors ici vous avez votre énergie générale, comment vous vous sentez, ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Ici vous avez les atouts qui vous accompagnent, ici vous avez les blocages et les peurs, ici vous avez les conseils de vos guides et de vos anges, ici vous avez la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel. Waouh! Ok. Alors, on a deux épées et trois coupes. Allez, c'est parti, on détaille et pas d'arcane majeur. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la 10 d'eau comme énergie générale. Alors, la 10 d'eau, ça peut paraître très, très simpliste, mais c'est vraiment cette idée de nager dans le bonheur. J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres explications. C'est vraiment nager dans le bonheur. C'est presque le bonheur parfait. C'est vraiment le bonheur émotionnel. C'est être entouré des gens qu'on aime, de sa famille, de ses amis. C'est aussi l'idée de se réunir, de partager des super bons moments ensemble, de rire, de danser, d'être en joie, d'être en paix, d'être en harmonie avec soi-même. Vous êtes dans un super état d'esprit positif. En tout cas, c'est ce qui arrive pour ce mois d'octobre. Je dirais même que c'est contagieux parce que vous pourriez bien attirer à vous, du coup, des rencontres très positives avec cette carte. Voilà. On commence bien. Avec ça, dans vos atouts, vous avez la reine d'air qui va vous accompagner.
C'est-à-dire que vous allez avoir une énergie mature, expérimentée, avec une grande capacité d'analyse, des grandes qualités intellectuelles et surtout du discernement. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je dirais que vous allez percer à jour des vérités. Vous allez peut-être trouver aussi des solutions, prendre des décisions importantes pour vous-même. C'est vraiment une énergie qui est faite pour vous apporter une aide intellectuelle de compréhension et pour peut-être découvrir une certaine vérité attachée au passé, attachée au présent, peut-être une vérité dans votre famille, dans une ancienne relation, je ne sais pas, auprès de vos amis, ou c'est peut-être à l'intérieur de vous que vous allez découvrir une vérité, peut-être que vous allez découvrir en vous quelque chose. Que vous ne connaissiez pas, hein. En tout cas, vous allez gagner en clarté de manière assez générale de vos pensées et de votre vie. Avec ça, vous avez la 6 d'eau dans les blocages, dans les peurs. Alors, dans les peurs, je dirais que votre passé peut remonter parfois à la surface et peut encore vous questionner, vous effrayer et vous causer des angoisses. Et dans les blocages, je dirais que vous pourriez peut-être, pour certains, être bloqué encore par rapport à votre passé émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, je ne sais pas, je pense à des personnes qui ne sont pas divorcées, je pense à des personnes qui ont peut-être encore quelqu'un dans leur tête. J'ai pas tellement l'impression, mais c'est possible. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Il y a quelque chose qui est encore lié au passé. Il peut y avoir parfois ce passé qui vous rattrape, une épreuve douloureuse, une relation peut-être magnifique que vous avez vécue, un ex-conjoint, au contraire, qui n'était pas du tout magnifique, que cette expérience fût positive ou négative, ce passé, il est là et vous pouvez parfois avoir du mal à tourner cette page concrètement. La nouveauté aussi peut vous faire peur et peut vous angoisser, pas dans le sens d'être heureux et c'est pas la peur du changement, c'est peut-être la peur de revivre certaines choses de votre passé que vous n'avez pas envie de revivre. Allez, avec ça, les conseils, c'est la 9 d'air. Les conseils de vos guides, c'est de modifier votre perspective, de modifier votre état d'esprit si vous le pouvez, de prendre conscience que vos doutes, que vos peurs, vos angoisses sont créées par votre mental, par votre imagination. On vous conseille de tenter de créer un dialogue intérieur avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même. Soyez doux, soyez compréhensif. Soyez aimant envers votre personne, soulagez vos inquiétudes et retrouvez l'espoir dans des pensées beaucoup plus positives que de toujours penser ici à ce passé et aux douleurs que ce passé a pu être. Et on termine avec la dernière carte qui est la Reine d'eau, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Alors, je dirais que la prochaine étape, elle peut... Elle peut parler de guérison émotionnelle, d'être dans l'écoute et le respect de vous-même, de ce que vous ressentez. Vous êtes très ouvert aussi à une histoire d'amour, dans l'équilibre, dans le partage et dans le dialogue partagé. La prochaine étape, ça peut être aussi une rencontre, la rencontre avec quelqu'un, avec un amour. On est dans un signe d'eau, ça reste facultatif. Cancer, scorpion, poisson, une personne bienveillante, calme, empathique, quelqu'un de doux, de respectueux, qui pourrait vous séduire par son écoute, par son soutien, par son intérêt très sérieux pour vous. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer effectivement une relation basée sur l'amour, la confiance et une belle communication partagée. Voilà. Donc, il peut effectivement y avoir une très très belle rencontre à la clé pour vous. En tout cas, un magnifique bonheur émotionnel dans tous les cas. C'est votre prochaine étape sur le plan émotionnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.